Tu veux bah pas non, en fait, c'est l'inverse. Putain, je suis con. Quoi? Parce que moi, c'est comme ça un peu. Ouais, il faut que non. Ouais, c'est YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière puisque c'est une vidéo que vous nous avez beaucoup demandé. Il y a eu beaucoup de questions sur ça, donc du coup on s'est dit on va faire une vidéo vraiment YouTube consacrée à ça sur le coming out. Donc pour ce faire, on a réuni pas mal de questions. On a réuni pas mal de questions qu'on nous avait déjà posées sur nos lives TikTok. Et d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur TikTok, bim, ça apparaîtra ici ou ici. On poste pas mal de vidéos qui est assez intéressant. Première question, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le faire? Pour moi, c'est pas nécessaire de le faire. C'est votre choix, c'est votre opinion. C'est à vous de voir si oui ou non vous en sentez capable et si vous en avez besoin en toute honnêteté. Voilà. Allez, question 2. Question 2, quels sont les risques à prendre en compte? Monsieur. Je dirais le fait que votre interlocuteur ne comprenne pas ce que c'est que l'homosexualité. Le risque, ouais, c'est que soit ben, il comprenne pas, soit il l'accepte pas. Voilà, bon, ça après, c'est encore autre chose. Ouais, ça fait partie d'un risque majeur. Comment s'y prendre? Voilà, comment s'y prendre, c'est très intéressant. Ceux qui veulent le faire et qui ne savent pas comment s'y prendre, du coup, c'est très simple. Il y a des livres sympas à la bibliothèque. Oh putain, t'es chiant. De choisir déjà le bon moment, les bonnes personnes pour commencer. Pas forcément le dire à un repas familial ou je ne sais quoi, taper dans le verre et dire bon bah voilà, j'ai un mec ou quoi que ce soit. Taper dans le verre. Vous attendez le bon moment, les bonnes personnes, vous dites juste en comité restreint, votre maman, votre papa, votre soeur, votre frère, vraiment restreint. Et après vous voyez déjà les premières réactions, les premiers avis, les premiers ressentis et après vous pouvez élargir un petit peu le cercle de votre coming out. Mais c'est plus compliqué avec les parents. Comme je disais juste avant, je pense pas que ce soit compliqué avec les parents. Parce que parfois, en fait, c'est plus compliqué avec les amis, avec votre cercle d'entourage amical et professionnel que avec les parents. Donc, je pense encore une fois que ça dépend et qu'il faut pas se mettre la pression. Le but, c'est que que vous soyez vous-même en vrai. Que... Non, mais il n'y a pas besoin de... En vrai, non, s'il vous plaît. Dans le sens où si vous en sentez le besoin de parler avec votre famille et de vous confier, faites-le. Mm. Voilà, que ce soit une bonne ou une mauvaise personne, c'est pas grave. We don't give a fuck. C'est la fin de la vidéo. Ok. T'es insupportable. Ah, mon visage. Qu'est-ce qu'il y a ton visage? Bon, c'est okay. La fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça a l'air de le plaire, comme on peut voir le visage d'Arnaud. Quoi? Bon, n'hésitez pas à aller liker la vidéo parce qu'on n'a pas eu beaucoup de likes la dernière fois. C'est trop nul, faut qu'on en fasse depuis le début.